topologie. Je crée la topologie. Bon, regardez-moi. Je prends le routeur 40 4321. C'est le routeur le routeur la série utilisée pour la certification de CCNA actuel. Avant, on utilisait le routeur 2911, mais vu que la certification a été mise à jour, donc nous avons maintenant une nouvelle mise à jour de cette certification. Voilà, on va commencer à utiliser maintenant le routeur série 4000. Je prends le routeur qui est là, je le mets là-bas. Lorsque nous achetons le routeur, le routeur ne vient pas avec les connexions serrées. Je ne sais pas si tu pouvais regarder. Le routeur le serré 4000, c'est comme ça. Dans les deux dessus ce routeurs, c'est comme ça que ça apparaît. Lorsque nous achetons le routeur, le routeur ne vient qu'avec ces ports ici. Il y a les ports console qui est là. Les deux types de ports console que je vous avais présenté l'autre fois. Il y a un port auxiliaire et puis il y a des ports... Giga Ethernet. Il y a un port qui est 000, Giga Ethernet, et puis un port qui est 001. Alors, moi, dans le, mon projet, j'aurais besoin, besoin de faire la connexion de connexion One, la connexion pour les réseaux étendus. Parce que les giga Ethernet, ici, ce sont des communications Ethernet qui, est, qui sont locales. Donc, si je veux concevoir des réseaux locaux, à ce moment-là, je pourrais utiliser les interfaces Ethernet. C'est ce que le plus utilisé, le plus répandu. Pourquoi? Parce que dans nos réseaux locaux, on utilise ça. Dans les réseaux locaux, on peut prendre même 100, 200. On utilise la technologie Ethernet. Alors, pour les connexions One, nous devons acheter maintenant les cartes One. Donc, lorsque vous achetez le routeur, vous devez aussi acheter les connexions One si vous aurez besoin d'utiliser les connexions One. Alors, les connexions One, ce sont des connexions ici. NIMDT, ce sont les connexions ici. Je viens dans module, je sélectionne là. Si je viens par exemple et je clique ici, qu'est-ce que vous allez remarquer ici? La partie a changé. Je mets ça, cover, ça c'est ça, c'est le, le cover. Je mets ça, ça c'est une autre carte. Je mets ça, ça c'est une autre carte. La fibre optique, je crois. Je mets ça, c'est encore. Non, ça c'est la fibre optique. Alors moi, ce que je vais utiliser, c'est le numdt ici. Ce sont des connexions One, le V. 35, les pas 35. Je vais expliquer ça. D'ailleurs, c'est expliqué en CCNA 4 ou bien CCNP, Alors, nous le savons très bien. On ne peut jamais ajouter une carte d'extension dans un ordinateur sans pourtant éteindre l'ordinateur. J'éteins mon ordinateur, mon routeur qui est là. Je l'éteins. Et puis, j'ajoute les deux cartes. J'ajoute les deux cartes. Je le mets ici. Et puis, je les mets. Normalement, dans mon projet, je n'ai que besoin d'une un, seule connexion. Je peux mettre avec ici, il me donne déjà des interfaces. C'est bon déjà. Mais je le mets partout parce que le but, c'est que ce soit un réseau évolutif. On va multiplier les besoins. Alors, je démarre mon routeur. Une fois démarré mon routeur, je peux fermer la partie ici. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Je prends un deuxième routeur où je ne vais pas connecter, je ne vais pas utiliser les cartes One. Je bronce là-bas. Alors, je viens choisir maintenant les connexions ici. Les connexions One, ce sont les deux connexions ici. Il y a les céréales DCE et puis il y a les céréales DTE. Mais ce que nous allons utiliser, c'est les DC ici, avec les signal d'horloge. Pourquoi avec les signal d'horloge? Euh, je crois dans lorsqu'on va approfondir ça, je vais vous expliquer la différence pourquoi. Ce sont des modems. Nous avons le modem DCE et le modem DTE. À la pratique, vous allez voir ça, ce sont des câbles, mais ce sont aussi des modems qu'on peut utiliser. Parce que la communication One, ce n'est pas une communication qui est dirigée par nous, qui est contrôlée par nous, non. C'est une communication qui est gérée par un provider. Donc, cela veut dire que lorsque je vais mettre le One ici, on sous-entend que le routeur ici, il est dans, un autre, dans une autre ville, dans un autre pays. Ça peut être au Japon. Et le routeur ici, il est en Kinshasa. Alors, pour atteindre ces routers, nous passons par la connexion One, qui est un provider qui nous fournit cette connexion-là. Alors, c'est au provider qu'on doit décider maintenant quel type de connexion qu'on va utiliser. Dans notre cas, je prends les, les câbles DCI ici. Je le mets, je clique ici. Vous voyez, il me donne les interfaces céréales, les interfaces séries. Alors, quand je, par exemple j'ai choisi les, les céréales 010 0, et que je viens cliquer ici, je vois que ce là n'a pas de câble céréales, n'a pas d'interface céréale. D'où il me faut quoi Il faut ajouter les cartes comme je l'ai fait. Je clique sur chat. Je dois ajouter comme je l'ai fait. Je viens cliquer là-bas. Je zoom. Parce que je peut être. J'éteins la machine. Alors, je peux cliquer ici, bien je laisse parce que c'est le choix des cartes sélectionnées par défaut. J'ajoute la carte ici, d'essayer. Et je mets ici. Alors, je retourne pour démarrer. Je démarre. Je ferme. Alors, je peux faire quoi maintenant? Je peux prendre les câbles qui est là. Je prends céréales 010. Je clique. Je mets 010. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, regardez. Ici, il met un signal d'horloge. Pourquoi Parce que là où j'ai commencé, dans le câble, lorsque nous allons faire la pratique, nous allons remarquer là où il y a les signaux d'horloge, c'est la partie qui est décillée, Et là où il n'y a pas les signal d'horloge, dans les petits signal que vous voyez là-bas, là où il n'y a pas de signal d'horloge, c'est les détaillés. En fait, c'est deux modems qui se, se mettent ensemble. Il y a une partie qui est DC et une partie qui est DT. Alors, nous, dans le paquet tracer, c est, c est, on ne sait pas. Nous ne saurons pas. Je supprime d'abord la connexion. Je supprime. Je supprime. OK. Nous, dans le paquet tracer, on ne saura pas mélanger les deux câbles à la fois. Voilà pourquoi on a mis directement les câbles DC. Alors, si je choisis les câbles DC et que je commençais par ici. Je viens commencer par ici, c'est réel 010. Je clique là, 010. Vous remarquez que le signal d'horloge est là-bas. On va comprendre ça dans la deuxième pratique que nous aurons lorsque nous allons... Confiner. Bon, on peut continuer ça ici. Hein. On verra un peu le temps qu'on aura s'il si faut que je vous ajoute cette connaissance-là par rapport à la topologie. Alors, c'est ça notre réseau WAN qu'on a créé. Nous sous-entendons qu'ici, à l'intérieur, il y a un provider dans le fournisseur d'accès il nous a créé les types de réseaux que nous avons utilisé, si c'est un réseau point-to-point -point où nous utilisons le protocole PPP les protocoles WAN PPP nous verrons ça à 6MP alors ici je crée je crée je crée maintenant mon, mon réseau local j'ai un routeur qui est chez moi ici je prends le commutateur je mets là les commutateur ici je mets encore un autre commutateur ici supposons que dans notre réseau nous avons ces réseaux nous avons nous avons des réseaux dans, dans notre site si nous avons des réseaux alors ici je mets un pc je mets même deux pc je mets ces pc au lieu de, de cliquer comme ça déposer encore et cliquer, cliquer encore déposer la même chose je peux cliquer une seule fois avec shift et contrôle pardon je clique avec un clic je clique donc je sélectionne à cliquer aussi contrôle au même moment alors, qu'est-ce que ça va me donner Je clique là-bas. Je clique seulement ici. Les câbles, les PC, s'ajoutent directement. Et je viens mettre les PC ici sans revenir encore au choix des, des équipements qui sont là. Alors, je mets ça. Et je prends les câbles. pareil avec les câbles. Je clique contrôle. Je prends les PC ici. commence avec euh, fast 0, 0. Ici, 0, 1. Comme ça. 0, 2, comme ça, 0, 3, comme ça, il prend 0, 4, dans, et tous seront dans le même réseau, il prend 0, 5, et ici je prends, il commence par la phase 1, 2, 4 interface 5. Ok, alors je vais connecter le commutateur au routeur. Je connecte le commutateur ici. Bon, je préfère utiliser les gigas. Je prends les gigas 01 parce que c'est la liaison giga. Je mets ici giga 001. Je prends ici giga 02. Parce qu'il va se connecter avec Giga 00. Alors, c'est comme ça, c'est un peu mieux. Alors, dans au, au Japon, ici, supposons si par exemple, là, nous avons nos site, euh, Il y a des serveurs là-bas. Il y a des serveurs qui sont là. Il y a un réseau de serveurs. Il y a un réseau des serveurs qui est là. Je prends un commutateur. Je prends un commutateur. Je le mets ici. Je le mets ici. Je peux mettre aussi des réseaux. Je me prends un commutateur, je le mets ici. Bon, je viens cliquer encore. Je prends un deuxième commentateur. Je le mets ici. Alors, je prends le PC. Je peux prendre même des PC pour ces réseaux ici. Je prends même des PC pour ces réseaux. Et là-bas, je prends des serveurs. Les serveurs sont là. Je clique les serveurs. Je le mets ici. Les serveurs, c'est écrit serveur. Ce n'est pas Meraki serveur C'est le premier serveur qui est là. Alors, je prends les câbles. Je clique toujours contrôle Alors, ici, ça sera dans Giga01. Et ils sont au dessus Avec Giga01. Alors, les serveurs prennent. Alors, je clique ici. 2. Et le commutateur ici. Giga00. Avec. Giga 0D. Ok. Et je fais comme ça. Et ici, je fais. Voilà, c'est à quoi ressemble notre topologie physique, les câblages. Notre réseau a été déjà et bien câblé. C'est comme ça. Alors, je vais donner maintenant l'espace les, d'adressage. Je suis l'administrateur. On va voir dans les chapitres qui viennent, le chapitre 11, on verra l'adressage IPv4 et puis IPv6. Comment segmenter et comment utiliser. Maintenant, avant de, de donner les adresses ici, moi maintenant, je vais vous expliquer une petite. J'avais déjà fait ça dans l'autre vidéo, mais je vais refaire ça pour que vous ayez maintenant l'idée concernant l'utilisation d'adresses. Ici, nous allons parler de l'adresse IPv4. IPv4, IPv4, c'est une adresse qui est au format décimal. Donc, en réalité, c'est le binaire. Mais décimal, c'est pour la compréhension de l'homme. Où nous, nous retrouvons avec le poids total des 32 bits. IPv4, c'est une adresse qui a 32 bits. 32 bits. Donc, c'est avec les 32 bits. Maintenant, quand nous parlons des formats, d'abord, c'est 32 bits, c'est un binaire. Les 32 bits, c'est un binaire. Je mets binaire. Les 32 bits, c'est un binaire. Maintenant, en décimal, parce que nous, les binaires, nous n'allons pas comprendre. Nous, nous ne comprenons pas les binaires. En fait, on peut comprendre, mais difficile à mémoriser les binaires, nous les aimer. Alors, on a essayé de convertir, de traduire cette adresse IPv4 de binaire en décimale. Alors, les octets, c'est la version décimale. Et décimale, voilà, c'est les octets dans la version décimale. C'est dans le binaire que nous comptons 0, 0, 1, 0, 0. Mais tandis que dans les décimales, c'est là que nous, nous parlons de 1, 0, 10, 20, au-delà. Maintenant, on dit quoi? Comme une adresse IPv4, c'est une adresse qui contient 32 bits. Donc, je mets les bits comme des, des X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On dit en décimal, nous savons que 8 groupes de 8 bits, donc un groupe de 8 bits, ça donne un octet. Alors, en décimal, on dit que c'est une adresse qui est au format. Décimale, c'est décimale à point. Donc ça veut dire que nous avons un octet. Je mets un octet. Point. Un octet. Point. Un octet. Voilà. Je mets ça comme ça. X. Donc je mets X comme inconnu. Ce sont des valeurs. Donc un octet, c'est les décimales. En, en binaire, nous avons 32 bits. En octet, nous avons 4 octets parce que 1 octet nous donne nous donne 8 bits. Alors on dit quoi On dit quoi euh, Les valeurs que nous allons, nous maintenant, je vais faire ces, cette explication en décimal en octet, pas en binaire parce que binaire nous savons déjà comment convertir. On dit les valeurs qu'on va trouver en octet. Les octets c'est ça. Le bit, on sait que dans la valeur bit, on peut, on doit trouver les x. Ça peut être les x. Ça peut être égal à 0. Donc je mets entre parenthèses x. Il peut être égal à 0, ou 1. Donc c'est comme ça. Donc tantôt les 1, tantôt les 0. Les x, là, c'est en décimal. Maintenant, là, c'est en binaire. Maintenant, en décimal, on dit, nous Les bits doivent être, avoir des valeurs qui sont comprises entre 0, point, 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 point Jusqu'à 255. On ne peut jamais trouver une adresse qui est moins de 0 ou bien une adresse qui est de Au-delà de 255. Donc, cela veut dire qu'ici, nous avons. 0 à des à des 0 à des à des 0 à des à des 0 à 155, des sens c'est qui va me donner exemple d'une adresse ipv4 exemple adresse ipv4 ipv4 une adresse je peux donner par exemple 192.168.1.4. c'est l'adresse point 1.4 c'est l'adresse ipv4 pourquoi parce que j'ai quatre octets séparés par deux points je respecte les principes. Et puis, dans chaque octet, c'est une valeur qui est entre 0 et 255. Le n'a pas dépassé. Il est entre 0 et 255. Et 168, même pas, les 1 et puis les 4. Même cette adresse aussi, c'est une adresse IPv4. 0.0.0.0. C'est une adresse IPv4. Même celui ci 255.255.255.255. 255. C'est une adresse IPv4. Alors, si vous voulez savoir le nombre total d'adresses IPv4 qu'on peut retrouver, le nombre d'adresses totales. Donc, nous commençons par la première adresse qui est 0. Parce que la première adresse, c'est quand tous les bits sont des 0. Ça, c'est la première adresse. La deuxième adresse, ça peut être 0.1. Ça, c'est la deuxième. Et puis la troisième, ça sera 0.2. Jusqu'à ce qu'on va arriver. On va arriver à 255.255. 255. Point 255, point 255. Alors, pour quitter des 0 jusqu'à 255, ça nous donne 4 milliards d'adresses. Alors, si vous voulez savoir d'où on a tiré ces 4 milliards d'adresses, vous venez maintenant en binaire ici. Or, le binaire a des valeurs. Vous prenez D, qui est des valeurs, exposant 32. d Pourquoi? Parce que IPv4 a 32 bits. Vous allez remarquer, ça va vous donner 4 milliards. Donc, c'est 4 gigas. Donc, 4 milliards, quelque chose là, d'adresses qu'on peut avoir dans IPv4. Dans IPv4 on ne contient que 4 milliards d'adresses. Alors, on dit quoi? Nous avons séparé les adresses IPv4 par rapport aux classes. Par rapport à la classe, il y a la classe A, il y a la classe B, il y a la classe C. Alors, je vous donne le TP, la classe 2 et la classe E. Vous allez me trouver ça. Comment On dit IPv4 a été divisé en 5 classes. A, B, C, D, E. Alors, pour savoir cette adresse appartient à, à quelle classe, vous devez vous référencer seulement du premier octet. Le premier octet, celui-ci. Ça, c'est deuxième, troisième, quatrième. Regardez seulement le premier octet. Si vous voyez que le premier octet a une adresse qui est entre 0, point, et ça, Donc, cette adresse appartient à la classe A. Classe A. C'est une adresse qui appartient à la classe A. C'est une adresse qui appartient à la classe A. Donc, regardez juste le premier octet seulement. Si vous regardez des 128. 128 à 191. C'est la classe B. La classe B. La classe B. Alors, si vous voyez des 192. Bon, 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 bon. à à c'est la classe C. Classe C. Alors, déjà, nous comprenons cette adresse. Ça, c'est une adresse de la classe C. Ça, c'est une adresse de la classe A. Parce que de 0 jusqu'au 2C. Alors, ça, je ne sais pas si c'est quelle classe. Je vous donne le TP vous allez me trouver. L'adresse, les plages. Donc, ce sont des plages, des espaces de la classe A et de la classe. D et E. Alors, euh, je peux donner l'exemple ici. Cette adresse ici, nous avons même 10.255.9.160. C'est la classe A. Pourquoi le premier octet ici me dit qu'il est entre 0 et 127 Donc, je respecte les principes de la classe A. Alors, pourquoi on les a séparés par rapport à la classe Maintenant, ça, ce n'est pas écrit dans le cours, mais ça, c'est ma raison que je vous donne. Nous savons une adresse réseau. Les réseaux, c'est une famille. Alors, chaque famille a ses besoins, a le nombre d'enfants. Tout, toutes les familles n'ont pas les mêmes enfants. On peut trouver dans une famille, quand on parle déjà d'une famille, on voit déjà deux personnes, parce que la communication des réseaux commence pas. Le plus petit réseau, c'est le 2, où on n'a que deux PC. Alors, nous avons des réseaux qui ont deux PC au minimum. 5 PC, 200 PC, 100 1000, 500, 2000, 3000 au-delà jusqu'à un réseau mondial. Alors, moi je peux créer mon réseau. J'ai 500 PC dans chaque réseau. Alors, je peux créer quatre réseaux. Il y a un réseau qui a 10 PC, il y a un réseau qui a 300 PC, il y a un réseau qui a 2000 PC, 2000 Hots. Alors, qu'est-ce que je peux faire On dit ceci une adresse doit être accompagnée par un masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, c'est qui Le masque de sous-réseau, c'est une adresse. En réalité, cette adresse-là ne vient pas identifier le PC dans le réseau. Parce que l'adresse IP identifie le PC dans le réseau. Mais le masque de sous-réseau, il va faire quoi Il va venir séparer dans l'adresse IP, trouver quelle est la partie réseau et quelle est la partie hôte. Parce que dans l'adresse IP, nous avons, nous avons remarqué que nous avons des parties. Il y a une partie qui identifie la famille, les réseaux. Il y a une autre partie qui identifie la personne, l'individu. Donc, c'est comme si je donne l'exemple de, de nous. Dans notre nom, notre identité, il y a les noms. Prenons d'abord les noms. Il y a comme si deux parties. Il y a un premier nom qui identifie la famille. Il y a un deuxième nom qui identifie, euh, identifie l'individu. Si je peux donner l'exemple, bon, je ne sais pas quelle famille que je vais parler. Prenons la famille du président Kabila. Euh, la famille, c'est Kabila. Et tous sont des Kabila. Donc, ils ont un nom Kabila pour toute la famille. Bon, désolé de choisir un nom d'un politicien. Donc, désolé, c'est le nom qui m'est venu à l'esprit. La famille, c'est Kabila. Et puis, il y a Joseph Kabila, Zoé Kabila, Janette Kabila. Donc, vous comprenez Dans leur nom, maintenant, il est Joseph, c'est le nom de l'individu qui est dans la famille Kabila. Si j'appelle Kabila, je vois la famille Kabila. La famille Kabila, c'est tous. Alors, et tous ceux qui font partie de la famille Kabila, ils auront un Kabila après leur nom. Il y a Joseph Kabila, il y a Zoé Kabila, il y a encore qui a Jeannette Kabila. On peut aller même côté Félix. Bon, je ne connais pas la famille d'Étienne Tiseked, mais le nom de tous les frères de Tiseked, c'est Tiseked, le nom de la famille, c'est Famille Tiseked. Alors nous avons Félix Tsisekedi, nous avons un, je ne sais pas encore, un frère Tisekedi, un autre Tisekedi. Donc c'est pareil aussi avec les réseaux. L'adresse IP IPA des parties. Il y a une partie qui identifie les réseaux. Nous tous, nous devons avoir cette partie-là. Il y a maintenant une partie qui identifie l'individu dans le réseau. Si moi et toi, par exemple, si on retrouve Joseph Kabila et euh, Jeannette Kabila, on dirait que Joseph et Jeannette sont dans la même famille. Même si les Joseph et les Jeannette, ce n'est pas la même chose on dit que la famille, c'est Kabila, ils sont dans la même famille. Mais si je retrouve, par exemple, Joseph, Kabila et euh, Jeannette, Kabi, Kabilo. Prenons, par exemple, Kabilo. Je dirais qu'ils ne sont pas dans la même famille parce que l'identification de la famille est différente. Donc, il y a Kabila et Kabilo, ce n'est pas la même famille. Alors ici, maintenant, on va faire ces, ces pratiques-là au niveau de, de la tresse IPV4. Alors, c'est lui qui va nous aider maintenant à identifier ces parties-là c'est le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, maintenant, c'est qui Le masque de sous-réseau, c'est une adresse qui a 32 bits aussi. Le masque de sous-réseau a 32 bits. Mais lui, son rôle, c'est de quoi C'est de juger l'adresse IP. De dire que le nombre de bits ici font partie de la partie réseau et le nombre de bits font partie de la partie euh, partie haute. Alors, l'explication des calculs de ces masques de sous-réseau, on verra ça dans les chapitres concernés. Ici, je vais vous montrer d'abord les systèmes par classe. Il y a un système par classe qui a été imposé. On dit quoi? La convention a déjà imposé les masques de sous-réseau par rapport à la classe. Par exemple, toutes les adresses qui font partie de la classe A ont slash 8. Les slash 8 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 8 ici, c'est le masque de sous-réseau. Donc, toutes les adresses qui font partie de la classe A, on les slash 8. Dans le 8 ici, ça veut dire quoi? Comme les masques de ceux qui ont 32 bits aussi, nous devons accepter les 8 premiers bits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'en informatique, lorsqu'il y a 1, on accepte. Lorsqu'il y a 0, on ignore. Alors nous devons maintenant ignorer les 24 bits qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. Donc, point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça, c'est un, un binaire. En décimal, c'est ce qui va nous donner 255. .0.0.0. Donc c'est l'écriture comme ça. Les slash widths en réalité ça me donne comme ça. Voilà toutes les adresses qui font partie de la classe A ont les masques de sous-réseau 165.0.0.0. Vous pouvez aller configurer ça même dans vos PC. Vous allez remarquer les PC auront déjà les masques automatiques selon l'espace d'adresse que vous avez attribué. Alors je prends maintenant un exemple d'une adresse. Je vais prendre même mon adresse de classe A, c'est cette adresse ici, 10. Point .255. 255. Point, point .255. Point 9. 156. Alors, je vais dire quoi? Slash 8. Alors, on me pose la question, est-ce que cette adresse ici, 10.255.9, c'est une adresse du réseau ou bien d'une adresse d'un individu? On me demande de trouver l'adresse réseau dans la famille de, de cette adresse ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 10 qui est là 10.255.9.156 et je mets le masque de sous-réseau 255.0.0.0. Alors les résultats ma femme est donné quoi Donc il faut bien séparer ça. Regardez, je sépare ça pour qu'on comprenne bien. Non non, il reste là. Donc ce soit comme ça. OK. Ça aussi je vais pousser. OK. Ça peut être comme ça. Alors, les résultats va me donner quoi Les résultats ça va me donner, ça va me dire "Oh, le masque de sous c'est celui qui juge. Il va me dire nous devons accepter parce que le 1 ici dit accepte, il fera une comparaison entre les bits du masque de sous et les bits de l'adresse IP. Or, le 1 va dire que c'est l'opération N. Ceux qui ont fait les circuits logiques, ils savent que lorsque nous avons 1, 1, parce que les calculs se font en binaire, lorsque nous avons 1, 1, les résultats, c'est 1. Lorsque nous avons 0, 1, c'est 0. Lorsque nous avons 1, 0, c'est 0. C'est l'opération N, donc, vous les savez. Mais maintenant, là, je ne vous explique pas par rapport à l'opération N, je vous explique ça juste de manière littérature acceptée. Donc, comme ici, nous avons 1, 1, les 1, 1, tous les 1, 1 ici vont accepter les bits, tous les bits des de 10 ici. Alors, quand on accepte tous les bits des 10, la, la, la conversion en décimale, ça va nous donner 10, parce qu'on n'a pas bougé les 10. Alors, lorsqu'il y a 0, on doit ignorer, ignorer, donc négliger tout. Tous les bits, quand on ignore, on les met par 0. Ça sera 0.0.0. 0. 0. Voilà, ça c'est l'adresse, je mets le slash 8. Ça c'est l'adresse réseau de cette adresse ici. Donc, 100 et 10.255.9.168.56, c'est la 8. Son adresse et réseau, c'est 10.00. Donc, et tous, ils auront les 10 identiques. C'est les 10 identiques qu'ils auront, parce qu'on met un bloc ici. Les 8 premiers bits, on ne bouge pas. Donc, je dirais quoi Et celui qui est dans cette adresse Et celui qui est dans cette adresse 10.255.9. Point .156, il est dans le même réseau que celui qui est dans 10.1.1.1, point point 1, point 1, il est dans le même réseau. Parce que si les masques dit que les 10 ne doivent pas changer, il est dans le même réseau avec celui qui est le 10, qui est dans 23.10.9.8. Il est dans le même réseau. Mais il n'est pas dans le même réseau que celui qui a le 11. Point quelque chose. Il n'est pas dans le même réseau. C'est seulement les 10 qui doivent être eh, identiques. Là, c'est l'explication pour la classe A. Alors, je vais rapidement, je crée encore un nouveau tableau. Je vais rapidement pour la classe B. La classe B, je vous avais dit, la classe B, c'est de 128, 228 hein, à 291. Alors, et ils auront un slash de 16. Les 16 ici, ça veut dire quoi? Les 16, ça veut dire 255. 255.0.0. Alors, je vous laisse, vous allez trouver les calculs. Bon, si je peux donner directement l'exemple d'une adresse ipv 4 des classe DB, ça s'étendait point, euh, point .16, je donne ça point .8, point 9. alors trouver l'adresse et réseau, je mets slash 16, l'adresse et réseau ça sera, ça s'étendait .16, bon je sépare un peu je mets ça un peu comme ça, point .8 point alors on va comparer, vais ouvrir les points ici alors, on va comparer 255.255.200 et, et .0. 0.0. Ce qui va nous donner comme résultat, c ce qui va nous donner comme résultat, ça, c'est en 16, parce qu'on va pas bouger là-bas, .0.0, slash, 16. Voilà, les masques des sous-réseaux, pour la classe B, toutes les adresses de la classe B seront pareilles. Alors, pour la classe C, je vous dis, la classe C, c'est, la classe C, c'est, la classe C, c'est, bon, c'est 192 ah, à 223. Et, et ils ont slash 24. Donc, alors, vous saurez, 24, à ce comment. Alors, je vais qu'on observe, on, on observe la partie ici. IPv4, c'est une adresse qui a. Toute l'adresse, 4 milliards d'adresses. Si vous voulez savoir le nombre de personnes, maintenant, on aura dans la classe A, dans chaque réseau de classe A. Parce que tous les réseaux de, tous les réseaux de la classe A auront le même nombre de personnes. Vous allez faire des exposants. Donc, vous allez faire ces, ces, ces travaux ici. Vous allez faire des exposants. Donc, pour savoir le nombre de, de personnes. Dans l'adresse, dans, la, dans, la dans cette adresse réseau, nous aurons combien de personnes Vous mettez D comme binaire, exposant le nombre de bits qui sont restés à la partie haute. Donc, ça veut dire quoi Si je viens, par exemple, à la classe A, la classe A me dit slash 8, c'est la partie réseau, et les ignorés ici, c'est la partie haute. Alors, je vais compter le nombre de bits. J'ai combien de bits 3 fois 8, ça fait 24. Donc, je vais prendre D exposant 24 D'exposant 24 moins, donc le moins ici, c'est pas le moins au-dessus de 24. Non, c'est le moins qui est dans la même position. Donc je mets entre parenthèses d'exposant D exposant 24. Hein, je mets moins, moins D. Les premiers D ici, je vous avais dit, les D ici, c'est les binaires. Les binaires 0, 1, la valeur du binaires, parce que les binaires ont deux valeurs. Alors, les 24 ici, ce sont les bits qui sont restés. Alors, les moins D ici, on va voir ça, c'est des adresses qu'on n'attribue pas dans, 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 dans le réseau. Il y a des adresses qu'on n'attribue pas. D'abord, c'est l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. On ne les attribue pas dans le PC. Alors, je crois bien, que ça va me donner 16, 16 millions quelque chose. 16 millions. Hein, 16 millions quelque chose. 16 millions. Donc, 16 multipliés par 16 fois. Non, non, 16 multipliés par 10 exposants, 3. Non, non, 10 exposants, 6, quelque chose. Donc, c'est à peu près, si vous calculez. Alors, la classe B, donc je mets la classe B, ça va donner, je mets entre parenthèses, des exposants. Dans la classe B, je suis resté avec combien de bits Je suis resté avec 16 bits, parce que 16 moins 16, ça fait des exposants, 16, entre parenthèses, moins, moins D. Et tous, ils auront toujours le moins D. Alors, les résultats vont nous donner. D'exposant 16, ça fait d'exposant 10, ça fait 1024. Et 800, ça fait. Oh, attendez un peu. D'exposant. Voilà. 65 536. Voilà. 65 536 moins D, ce qui va me donner. 60, bon, ai... il y a beaucoup d'égalités. 65 000... 534 adresses. Dans tous les réseaux de l'adresse de l'adresse, de la classe B, tout, dans chaque réseau, nous aurons 65 534 personnes. Alors, la classe C, la classe C, on aura des exposants, des exposants combien? 8, parce que nous sommes restés avec euh, 8 bits, c'est slash 24, donc nous sommes restés avec 8 bits d'exposants D'exposant 8 moins 2. Alors, d'exposant 8, ça fait euh, 256. 256 moins 2, ce qui nous donne 254 personnes. Donc, toutes les adresses des classes A utilisent 254 personnes. Remarquez maintenant, nous avons trois classes qu'on peut utiliser. La différence est à quel niveau ça, La plus grande différence c'est au niveau du nombre de personnes qu'on peut retrouver dans chaque réseau. Si par exemple, j'ai un réseau de, de 200 personnes, est-ce que je vais utiliser la classe B Non, parce que je vais gaspiller d'adresses. La classe B utilise 65 000. Je ne peux pas utiliser la classe A. Je vais faire un choix d'une adresse de la classe C. Parce que la classe C, même s'il y a un gaspillage de 54 personnes, c'est l'unique classe qui m'offrait P. Voilà pourquoi vous allez remarquer les adresses des classes C. C'est beaucoup vraiment utilisé. Mais beaucoup, même s'il y a un système de segmentation de 100 classes. Mais vous allez remarquer déjà. Beaucoup des de, adresses, des classes C, c'est beaucoup utilisé. Pourquoi Parce que dans nos réseaux, nous créons des réseaux de 200, 200. Mais si je vais créer un réseau de 256 personnes, je ne peux pas utiliser la classe C. Parce que la classe C me donne, c'est ma 254 Si je vais utiliser un réseau de 255, je ne peux pas utiliser la classe C. Parce qu'il y a une personne là qui va manquer. Peut-être c'est un DG, peut-être c'est une personne importante. Alors, c'est comme ça qu'on va utiliser les adresses IPv4. Alors, je reviendrai encore pour vous parler des adresses privées et des adresses publiques et des adresses réservées. Mais pour l'instant, restons là-bas. Alors, dans mon réseau ici, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai fait un choix de l'adresse. Je prends l'adresse ici. Le réseau ici, je mets 192.168.1.0. 24. Et ici, je peux mettre 192.192.192. .192 .192. 168.2.0 slash 24. Et ici, je mets 192.168.3.0 slash 24. Et ici, bon, r vite, hein, 192.168.4.0 slash 24. Il faut pas oublier les masques de sous-réseau. Même si on connaît, il faut toujours se promener avec. Donc, ça, c'est un, un réseau. Vous remarquez, nous sommes dans la classe C. Les 1 et les 2, c'est différent parce que c'est pas le même. Les orteils des réseaux ne sont pas pareils. Donc, ce sont les réseaux. Alors, ici, euh, je vous expliquerai ça après parce que cette pratique doit continuer. Je mets 10 10.00.0 slash 30. Alors, je peux vous donner. Non, non, slash 30. Je peux vous donner les. Le, 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 un TP, je vous donne encore un TP, c'est un deuxième TP. Quand je mets le slash 30 ici, nous aurons combien de personnes dans les réseaux. Ici avec le slash 24, nous avons 254. 10 N'oubliez pas la formule moins D aussi. Et ici, slash 30, nous aurons combien de personnes dans les réseaux. Alors, vous allez me répondre dans ces TP là. Maintenant, je vais configurer. Je dois faire maintenant ma configuration. Alors, regardez les amis, pour gagner les temps, tel que maintenant, là, nous avons déjà perdu, perdu les temps et nous avons fait 56. Bon, on a commencé à 15 minutes de retard. Alors, regardez, les configurations que je vais faire dans ces commutateurs, ça sera la même configuration que je ferai dans ces commutateurs, ça sera la même configuration que je ferai là-bas et ça sera la même configuration que je ferai là-bas. Sauf qu'il y aura la différence de nom seulement qui va changer. Mais les configurations de mots de passe, des paramètres et par défaut, des bases, ça sera pareil. Alors, pour gagner le temps, parce que lorsque vous allez faire votre pratique à l'examen, c'est d'abord en anglais, vous aurez 2h45 minutes. Alors, ces deux heures-là, ça sera toujours, le temps sera contre vous. Vous aurez toujours besoin d'avoir assez de temps. Parce que la pratique, eh, ça, ça demande la concentration. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer mon script à côté. Un, mon script de commande, je le crée à côté. Alors, je vais copier ce script-là et coller directement au périphérique. Ça s'est fait même avec les périphériques physiques. Ça s'est fait d'ailleurs beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Quand on appelle des techniciens à les configurer, il a déjà ses scripts. Ils viennent directement lancer pour gagner le temps et éviter des erreurs. Alors, les scripts, ça peut être dans un éditeur de tests. Je prends n'importe un éditeur de tests. Lorsque nous accédons maintenant, je suis là dans la première page. Lorsque nous accédons dans, dans une équipe, prenons par exemple un commutateur. Quel est le mode qui nous accueille? C'est le mode utilisateur. Alors, j'ai sous-entendu que je suis maintenant dans ce mode utilisateur. Même si vous posez la question, vous mettez déjà nous. Le premier mode, c'est le mode utilisateur. Alors, je dois quitter le mode utilisateur pour aller dans le mode privilégié. Je mets la commande Enable. Je saisis Enable. Je mets Enter. Dans ma tête, je sais que j'ai quitté le mode Enable. Enable, c'est le mode utilisateur. Je suis maintenant dans le mode privilégié. Dans ma tête. Alors, qu'est-ce que je vais faire si par exemple dans le monde privilégié, on peut faire quoi? On peut déjà attribuer, on peut configurer l'air. Alors, ici, ça demande, vous devez bien saisir le commande. Vous devez vraiment bien saisir le commande. Je mets la commande clock. Clock 7. C'est la commande qui permet d'activer l'air. Il est quelle heure Il est 21h, 2 points. 21h26, 2 points. Non, non, 2 points. Et puis je mets euh, 45 secondes espace je dois attribuer l'air aujourd'hui c'est le 17 oui. c'est le 17 quoi janvier je mets les trois premiers et puis je mets l'année 2022 c'est comme ça qu'on attribue l'air je vous avais donné la liste des commandes et les explications je mets enter je suis toujours dans la configuration et dans le monde privilégié alors je dois quitter ce mode. je dois aller maintenant pas quitter je dois aller maintenant dans la Configuration globale pour faire autre configuration. J'ai saisi la commande configure, configure, terminal, terminal. Je mets enter. Je suis maintenant, dans ma tête, je me dis que je suis maintenant dans un sous-mode configuration globale. Je désactive la recherche DNS. Je vous avais donné l'importance. domain local. Local. Je désactive la recherche DNS. Alors, je dois sécuriser le mode utilisateur, le mode privilégié. Je mets enable, enable, secret, class. Je mets là. Alors, je saisis quelle commande. Je saisis, saisi par exemple, les banners. Je mets les banners. Banner, M, message of to, today. Alors, n'oubliez pas, il y a un caractère de vertu. Je mets, par exemple, les caractères de vertu. Je mets V, majuscule. Et puis, je mets enter. Les systèmes me donne la possibilité de saisir. Je vous avais montré ces systèmes ici, des tracés comme ça. Je vous avais montré ça. Je peux faire comme ça. Je vous avais montré ces systèmes ici. Je mets par exemple comme ça. Non, hum, voilà. non. Je mets comme ça. C'est juste ça, c'est juste pour que euh, le message soit vraiment euh, attirant. Que ce soit lisible je crois à la pratique je vous avais montré ça après j'ai pu mettre les messages pas d'accès aux inconnus inconnus voilà souligner la pratique si vous devez refaire ça vous devez refaire ça comme je l'ai fait Donc, vous allez voir que je vais beaucoup plus gagner les temps et je crois que je dois m'arrêter par là je dois m'arrêter par là Ok, je finis. Maintenant, je mets le V majuscule pour clôturer mon message. Je clôture mon message. Alors, après avoir fait ça, il y a la commande service, service, password, password, tirer, encryption. Encryption. Cette commande permet de chiffrer tous les mots de passe utilisés. Alors, je vais dans la ligne console. Je vais ligne console. C'est console 0. Je suis dans un sous-mode de console. Je mets password. Cisco, c'est le mot de passe. Je mets login. Je mets exit Timeout. Je vous avais parlé des Timeout. Timeout, je mets 0. Non, non, je mets une minute espace 0 secondes. Donc, je peux mettre comme ça. Alors, je mets exit pour quitter. Je vais dans line, VTI, de 0 à 4. Je mets comme ça. Je mets password, password, Cisco. Login aussi. exit time Tamrot. Time je mets 0 et je mets une minute aussi. Je peux mettre même une minute comme ça. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire Je peux mettre exit ici. Je mets enter. Ce sont là quelques commandes que je viens de faire. Alors, cette commande ici, je vais faire. Je vais respecter le principe. Je vais juste copier. Je n'ai pas attribué le nom. Pourquoi Parce que lorsque je fait attribuer le nom et que j'ai fait les copies dans tous les commentateurs, dans tous les commutateurs, on a le même nom. Alors moi, je ne pas ça. Je me limite par là. Je prends ces, toutes les commandes ici. Je viens là, je mets copie. Alors, je prends mon PC. Bon, moi, comme j'utilise le Chrome, ces systèmes ici, ça ne va pas marcher. Je prends le PC. Je, je clique là. Je viens, par exemple, dans ces commutateurs. je viens brancher dans console et je viens ici brancher dans console je viens je clique là je démarre je viens dans desktop terminal ok voilà les modes je suis je, devais, je dois être dans le mode utilisateur alors moi comme j'utilise Chrome comme il n'y a pas mon Chrome n'a pas de clic droit il n'a pas de clic droit mais vous vous allez avec Windows vous allez cliquer sur clic droit vous allez voir il y a paste coller alors moi je ferme ça je passe pas comme ça J'accède directement au commutateur en cliquant. Donc, parce que dans le paquet 300 P accéder au périphérique en cliquant ici. Et puis vous venez directement dans la ligne de commande. Donc, je suis là. Je suis dans la ligne de commande qui est, qui est là. Après, vous allez voir, il y a copie et a paste. Je clique sur Paste. OK. Qu'est-ce que vous remarquez Il a accepté directement mes configurations. Il a accepté Enable, le clock write. Il a accepté tout. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Toutes les communications ont été acceptées. Toutes les communications arrêtées. Avec... Je peux faire une minute, on peut compter. Bon, une minute, c'est beaucoup. Déjà, là, je sais déjà, elle a fait déjà 20 secondes. On compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, voilà. Il m'a déconnecté. Il y avait déjà quelques secondes qui étaient. Pourquoi Parce que dans la. dans Exeter j'avais comme ça qui me déconnecte. Quand je mets Inter, vous voyez le message banner qui affiche. Et il me demande le mot de passe. Donc, il a accepté mes scripts, script. Le mot de passe, c'est Cisco. Je mets Cisco. Et je suis là. Je mets Enable. Et il me demande le mot de passe. Je mets Class. Donc, Class, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais juste rapidement configurer les noms. Configurer les noms. Alors, Hostname. Hostname. Je mets ça SD. Parce que le SS sera au-dessus. Et puis, je mets Do Right. Do ici. Euh, rapidement, le write c'est la commande qui permet d'enregistrer. C'est dans le mode privilégié ici. Le write c'est la commande qui permet d'enregistrer comme le copy running config. Alors, si par exemple je suis dans un autre mode, je suis par exemple dans un mode ici ou bien n'importe sous mode en dehors du mode utilisateur et que je vais utiliser la commande qui appartient au mode privilégié comme write comme ça. Alors, pour que cette commande soit acceptée, je dois mettre do devant. Je mets do write. Do write alors ça me permet rapidement de gagner l'état donc do right. je mets do write, il enregistre rapidement alors je viens ici dans ce commutateur je clique là et je viens ici je mets paste je copie et puis je mets hostname rapidement hostname, donc ça me permet celui-ci c'est R1 et puis je mets do right. Do voilà, j'enregistre et puis je viens ici, c'est R1, S 2 3, donc lui il aura le réseau 3 comme il a le réseau 3 Ok, j'ai bien fait ça. Et je viens passer, je gagne directement le temps. Et puis je mets hostname. Hostname. S3. S3. J'enregistre. Et puis. Je mets encore ici. Je viens ajouter. Je mets coller. Et puis je mets hostname. S4. J'enregistre. Alors, c'est. C'est ça. Bon, il y a, on est déjà presque euh, une heure du temps. Donc, euh, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Alors, euh, je vous demande si on peut récupérer cette séance des pratiques demain. Qu'on récupère ça demain. Vu que demain, c'est férié, on peut choisir même l'air. Qu'on récupère ça, je ne sais pas. Euh, vous trouvez comment par rapport à. Euh, parce qu'aujourd'hui on a déjà dépassé donc j'ai mis même arrêt à vidéo arrêter la vidéo